que vous avez passé un excellent week-end et nous revoilà aujourd'hui pour une petite annonce. Il s'agit d'un autre concours, donc le concours dont je vous ai parlé sur le paysage enneigé, et que voilà, ce sera donc ce sujet que nous allons faire ensemble au niveau concours. Alors ce sujet a été fait sur la méthode wet on wet, donc à la prima, sur la méthode spécifique de Bill Alexandre, mais vous n'êtes pas obligé de bien sûr respecter cette méthode. Vous pouvez le peindre de n'importe quelle façon, si vous voulez utiliser vos propres techniques ou différents pinceaux, ou etc., même en acrylique, peu importe, du moment que vous vous fassiez plaisir. Donc voilà, ce sera ce sujet-là. Donc j'en prendrai une photo que je mettrai sur le lien en dessous. Et si cela ne fonctionne pas, eh bien, contactez-moi par email. Il y aura l'adresse également en dessous. Pour demander donc un JPEG de la photo que je prendrai de ce tableau. Voilà. En plus, je mettrai un lien sur cette vidéo. En fait, je mettrai un lien pour retrouver donc ce tutoriel pas à pas, comment faire donc ce paysage. Donc, vous pourrez vous en imprégner un petit peu avant de démarrer. Ou alors le suivre pas à pas si vous voulez. Voilà, donc un petit exercice sympathique à faire. Et donc j'espère que eh bien, nous serons nombreux à essayer donc à faire cet exercice. Voilà, autre chose que je voulais dire, je pense que, ou plutôt YouTube m'a redonné donc ma chaîne, mais vierge. Donc ce que je vais faire, parce que ce qui se passait, le lien que j'utilisais venait donc de cette chaîne et donc était un lien pilote, ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc ce qui faisait que lorsque je postais mes vidéos, à moins que vous étiez déjà abonné ou que bien vous receviez donc mes emails, eh bien personne ne pouvait avoir le lien, c'est-à-dire que YouTube ne postait pas ses vidéos. Et voilà pourquoi eh bien, je n'arrive pas à monter mon audience également. Nous sommes près de 300 maintenant, donc ça monte très petit à petit, mais ça monte parce que à travers Facebook, ma page, à travers mes connaissances, à travers vous, eh bien, j'acquiers une personne par-ci, une personne par-là, mais ce n'est pas par YouTube. Donc là, je viens de donc refaire ma chaîne YouTube et ça a l'air de maintenant eh bien, se cataloguer sur le moteur recherche YouTube. Donc on commence à voir les vidéos. En tout cas, je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Et ben, vous m'en ferez part lorsque je vous aurai fait part donc du nouveau site. Alors ce que je vais faire, parce que tout le monde ne va pas avoir ce message, tout le monde ne va pas pouvoir donc changer directement, je vais continuer à poster sur cette chaîne. En fait, je vais poster sur les deux, mais si vous voulez bien, petit à petit, vous abonnez donc à mon autre chaîne et je mettrai donc le lien en dessous avec tous les autres commentaires, tous les autres tous les textes que je mets en dessous, avec mon site web, avec mon adresse mail, etc. Je mettrai le lien pour ma nouvelle chaîne. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à ma nouvelle chaîne, parce que ce qui va se passer une fois qu'on aura rattrapé un petit peu tout le monde, je n'utiliserai que cette chaîne-là. Mais bon, avant que ça se fasse, je pense qu'il y aura bien quelques semaines qui vont se passer avant que cela se passe. Donc partagez cette vidéo énormément également, parce que c'est cette vidéo qui va faire savoir à tout le monde que je suis en train de créer une nouvelle chaîne, et donc pour leur permettre de s'y abonner. Voilà, donc vos amis, et que vos amis en parlent aux amis,
Allez, abonnez-vous. J'ai besoin d'un grand coup de pouce parce que là, après la deuxième étape, ça va être donc d'atteindre finalement les 1000 abonnés. Alors, ce que je ne savais pas également, c'est que, apparemment, ce qui se passe sur YouTube, eh ben, y a des privilèges qui me manquent. Donc, non seulement il faut que j'ai 1000 abonnés, ensuite, pour qu'une autre audience, alors je ne sais pas de quelle audience il parle, une audience plus grande, puisse s'abonner à mes chaînes, il faut que j'ai dans les 30 000 vues, etc. etc. Il y avait autre chose. Il y a deux, trois choses au niveau privilège. Au niveau publicité également, je ne vais pas pouvoir mettre aucune publicité, quoique la plupart d'entre vous, ça vous arrange. voilà, tout ça, donc pas aucun revenu de YouTube, etc., etc. Ce qui me permettait, entre autres, avec vos petites donations que vous me donnez, eh ben, de maintenir la chaîne, d'acheter le matériel, les pinceaux, la peinture, etc., pour garder cette chaîne vivante. Voilà, allez, j'ai assez déblatéré, donc le concours. Alors, on va se donner 2 semaines, hein, on va se donner 2 semaines, on va se donner jusqu'au couvre-feu du 11 mai national, à savoir ce que ce Covid va nous faire. On va se donner jusqu'à là pour recevoir ou pour peindre, et après je vous donnerai quelques jours après ça pour m'envoyer vos photos. Et puis on passera à la notation, et puis bien sûr je vous donnerai le vainqueur. Alors on va voir ce qu'on va faire. Alors avec Jean-Loup, c'était sympa, on a pu discuter un petit peu. Mais Jean-Loup est déjà un peintre averti, donc il n'avait pas trop besoin de mes conseils. Hein. J'ai quand même pu le conseiller sur 2-3 bricoles, mais il maîtrise déjà pas mal au niveau de la peinture. Mais sinon, s'il y en a d'autres qui ont besoin de mes conseils, donc ce sera un plaisir. Et si cette méthode vous convient, eh bien on va refaire ça pour le ou les gagnants, parce qu'on peut avoir des ex-échos de nouveau, hein. C'est possible. J'aimerais bien mettre quelque chose d'un petit peu plus excitant que juste une petite interview avec moi. Ou alors, je donnerai au vainqueur la possibilité. Alors, je vais peut-être faire ça, puisque je suis en train de créer, puisqu'avec la situation en ce moment, mon école en France ne va pas s'ouvrir à temps. Donc, ce que je suis en train de créer en ce moment, et qui va sûrement sortir d'ici quelques semaines, c'est donc une école par Internet. Donc, je posterai des vidéos, des leçons, etc., et que vous pourrez, à un prix bien sûr, vous pourrez vous procurer pour donc démarrer la peinture. Alors ça va aller du débutant jusqu'à l'asserti, le peintre asserti, hein, mais bon, on va démarrer parce que le but c'est d'apprendre, donc ça va toucher surtout les débutants, mais on va démarrer donc cette école par... le dessin, la perspective, sûrement, on parlera de la couleur, etc. On fera des exercices, il y aura des exercices. Donc ce sont des vidéos, je pense, j'espère, qui vont être entre une demi-heure et 40 minutes. Et donc que vous pourrez donc acheter sur le net pour donc progresser au niveau de la peinture. Alors donc je vais essayer de faire ça bien, c'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps pour moi pour y travailler, parce que c'est une chose de donner des cours face à face, c'est plus évident, puis les personnes peuvent me poser les questions, on peut traiter d'un sujet direct, et ça va être une autre chose de le faire à travers une vidéo. Donc ce qu'on fera, bien sûr, à chaque leçon, il y aura un lien pour une vidéoconférence ou quelque chose, où s'il y a des difficultés, je pourrai vous les expliquer en vidéoconférence, etc. Je vais essayer de trouver une solution qui va être bien pour tout le monde. Bref, donc voilà la nouvelle. Donc ce qu'on fera, alors ce que je ferai,
c'est que le vainqueur de cette étape, de ce paysage, eh bien, il aura l'accès à la première vidéo qui sortira dans quelques semaines. Donc, il aura l'accès gratuitement. Voilà, ce sera son cadeau. Ce sera son prix, on va dire. Voilà, très bien. Alors, j'espère que ça, cette formule vous plaît. Donc, ben, à vos pinceaux, hein, sans plus tarder. Allez-y, donc je mets toutes les descriptions qu'il vous faudra pour peindre ce tableau, eh bien, en dessous. Sur la vidéo, eh bien, sûrement je parle des couleurs, etc., tout ce qu'il vous faut. Donc, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le nouveau lien donc, de ma chaîne YouTube. Et puis, voilà. Et puis, eh bien, on va travailler dur pour se faire plaisir. On va travailler dur pour se faire plaisir dans la peinture. Voilà, parce qu'une fois que vous avez passé l'étape de cours, eh bien, après, ben, vous vous faites plaisir dans la peinture et c'est bien. Donc, je ferai quelques vidéos dans la semaine aussi, juste des courtes vidéos, 10 minutes, par-ci, par-là. Questions-réponses, des vidéos trucs et astuces, voilà, plein de petites choses, des petites idées, des références, etc. Tout sur le domaine de la peinture. On va faire ça, on va faire des vidéos un petit peu plus fréquentes. Tant que nous sommes confinés, eh bien, ça nous occupera. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous revois très bientôt donc, sur une autre petite vidéo. Donc, c'était Boris Guenel sur le canal La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Bonne peinture à tous, à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt, oui, à très bientôt. Au revoir.